Salut à tous, c'est Pag Music et on se retrouve donc pour la première vidéo sur la chaîne. Et pour cette première vidéo, je vais faire juste une démonstration. Ça, donc la vidéo durera peut-être 3-4 minutes. Une démonstration avec donc cette pédale, la Boss GT1. Donc c'est une pédale que je suis achetée il y a 3-4 jours. Qui vraiment, c'est une machine de guerre. C'est vraiment parfait. Enfin, elle est vraiment super bien. Donc je vais faire une vidéo, enfin cette vidéo ce sera la démonstration, la vidéo qui suit ce sera des explications avec comment configurer des sons et tout ça, et puis après voilà, déjà on va commencer donc par des démonstrations de musique avec cette pédale. À tout de suite. Et donc voilà, donc on se retrouve avec donc la Boss GT1 une fois qu'elle est branchée et allumée. Et alors je sais pas si on peut faire un truc sur l'écran. Voilà, donc ça c'est l'écran de la pédale avec donc la pédale en entier. Et juste pour vous montrer, pour que vous rendiez compte du son, je suis donc avec cette guitare là. Puisque je vous rappelle, enfin pour les musiciens et pour les autres, le son n'est jamais le même entre différentes guitares. Donc pour commencer, on va commencer par le début et on va. On va commencer par faire un. Par vous montrer, je vais vous montrer un petit peu ce que j'aime bien faire, ce que je fais quasiment à chaque fois que j'utilise la pédale. Donc je sais pas par contre si le son il sera aussi bien que ce qu'on entend. Ça défile toujours parce qu'en fait je suis en train de faire donc le looper là où je vais vous montrer, je vais remettre le son. Vous voyez donc que je ne joue pas et on va donc continuer puisque après je rajoute avec d'autres effets. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour le looper.
Mais j'ai juste enregistré un petit bout pour vous montrer un autre son. C'est un son que j'aime particulièrement. Hein. Ne pas passer un son. Et c'est un son qui, justement, a cet effet avec la pédale FX ici. Qui, dans les sons normaux, par exemple, ici, ça fait de la wah-wah. Et donc, sur certains sons, ça peut être pour d'autres effets. Par exemple, ici, je fais une note et ça fait 2 ou 3 octaves. Je sais, j'arrive pas vraiment à me rendre compte, mais ça fait des octaves au-dessus. Donc, c'est vraiment un truc assez drôle, hein, que j'aime bien. Donc, voilà. Donc, c'était cette première vidéo sur la Boss GT1. En anglais, la Bosch GT1 en français. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner donc à cette nouvelle chaîne. Et moi, je vous dis salut à tous. Peace!